Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. C'est avec un grand plaisir que je viens partager avec vous ce petit message de ce frère qui est aussi un exilé, qui est en train de revenir à la maison parce que lui aussi, il était parti emporté par le scandale du faux prophète et Élie Koffi. Et il avait aussi pris du recul, mais à un moment, l'Esprit du Seigneur a commencé à le bousculer, sérieusement, et le force à revenir dans sa famille. Jésus revient, à revenir à la maison. Sinon, lui, il n'avait pas bien vraiment apprécié la manière dont on a communiqué autour du dossier, tout ça, et il était frustré. Mais c'était sans réellement méditer sur le fond du sujet, le fond du problème. Et donc, le Saint-Esprit l'a forcé à revenir en arrière. Et c'est en revenant en arrière que le Seigneur l'a permis de connaître tous les contours en profondeur, toute la vérité, tous les détails. Et donc, c'est vraiment avec une voix tremblante qui m'a envoyé ce vocal pour vraiment présenter toutes ses excuses et demander pardon et m'expliquer et comment le Seigneur Jésus-Christ vraiment l'a travaillé pour le ramener à la maison. Et voilà, c'est un frère de Jésus revient et de Congo Brazza. Alléluia. Je vous le dis, c'est la saison du retour des exilés. Et le Seigneur veut vraiment que tous ces enfants qui sont exilés à cause des différents scandales, le Seigneur vous appelle à revenir à la maison, à rejoindre votre bac, à rejoindre votre famille spirituelle qui est Jésus revient. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Écoutez le frère. Oui, shalom, shalom, Jean Gratien. Bon, il y a un problème aussi que je voulais vous expliquer. Un certain temps, si vous voyez que il y avait un petit silence à côté de moi, c'est parce que, les jours que j'avais téléchargé, c'était la manière que vous expliquer les choses du prophète Koffi Élie. J'étais dans une église avec des sœurs et des frères. Il y a d'autres qui venaient dire, oh, il m'avait dit comme ça. D'autres viennent, oh, quand on était avec lui, il m'avait parlé ceci. Et la manière que vous avez fait, vraiment, bon, de mon côté, je vais dire ce que la manière que j'avais ressenti. De mon côté, vu que je n'avais pas encore compris bien le problème, vraiment, j'étais triste, j'étais attristé pour ça. J'avais dit même que, oh, mais pourquoi papa peut faire des choses comme ça, exposer la personne, tout là, comme ça, c'est pas bien. Nous sommes des enfants de Dieu, on peut arranger des choses à l'amiable, tout. Mais je ne savais pas encore et je ne comprenais pas encore le problème. Donc, j'avais décidé même de et ne plus suivre vraiment les prédications de Jésus revient. Même dans mon téléphone, j'avais effacé ça, j'avais effacé tout. Donc, je ne suivais plus, je n'étais plus en contact avec vous. J'étais maintenant seul moi-même. Parce que bon, je disais que pour moi, je pensais que ce n'est pas bien la manière que vous avez fait. Mais je peux dire que j'avais seulement tenu le serpent au milieu. Je ne comprenais pas bien le problème. Maintenant, c'était hier soir. Hier soir, lorsque j'ai quitté là où je pars travailler, mes copes de la plomberie, je suis revenu à la maison. Je rentre à la maison vers 21h et dès que j'étais parti sur les lits, c'est là où ça avait commencé. Vraiment, j'ai commencé à constater
c'est comme une condamnation dans le cœur, dans mon cœur. C'est-à-dire que une voix me disait que il faut que tu puisses recommencer encore à suivre les enseignements de Jésus revient et être en contact avec eux. Et donc c'était comme un combat. Et il y a une autre voix qui me dit non, laisse pour toi, ne fais pas ça, reste pour toi-même, ne répare plus avec eux, reste pour toi, la décision que tu as prise, tu avais vu la manière qu'ils avaient fait le prophète Élie, donc toi reste pour toi à ta manière. Moi, là où j'étais, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, l'autre voix me dit, faut que tu vas, tu recommences à télécharger des prédications, tu recommences à suivre les choses de Jésus revient, tu recommences à être vraiment en contact avec eux. Mais à l'autre voix, non, laisse pour toi. Comme ça. Donc, c'était comme un combat. Toute la nuit hier, vraiment, je ne vous mens pas, je n'ai pas bien dormi. Donc, j'étais coincé vraiment. Je n'avais même pas prié la nuit. Donc, j'étais là vraiment. Donc, c'est comme si j'ai eu un problème. Donc, l'autre voix me dit, non, il faut que tu recommences. L'autre voix, comme ça. Oh. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, le matin, lorsque je me suis réveillé aujourd'hui, à 6 heures, ça continue toujours. Il faut que tu fais même un message à l'évangéliste. L'autre voix, non, laisse pour toi. Il ne faut plus que tu puisses repartir avec eux. Ne sois plus en contact avec eux. Laisse leur groupe, laisse-le. L'autre voix me dit, il faut que tu puisses être avec eux. Vraiment, c'est comme un combat ce matin. Et 7 heures, je suis sorti à la maison. Vu qu'à la maison, chez moi, je n'ai pas Wi-Fi, je suis parti là où je passe pour me connecter. Vu qu'ici, si tu donnes 100 francs, on te donne une heure. Donc, je suis parti là-bas en vitesse. On m'avait même appelé pour aller faire un devis dans un chantier. J'ai refusé d'aller là-bas. Je suis parti d'abord pour aller me connecter. Et lorsque je suis allé me connecter, vu que je n'avais plus les choses de Jésus revient dans mon téléphone, lorsque je suis allé me connecter, j'ai écrit votre nom et puis je suis rentré dans votre page. Vos prédications, vos trucs sont sortis. Donc, quand je suis en train de télécharger les prédications, je viens tomber directement là où vous avez donné encore une explication claire et nette sur le prophète Élie, là où il était parti dans un hôtel et il avait présenté la sœur Anne comme sa femme. Et carrément, lorsque vous avez bien expliqué, et je me suis dit carrément, vraiment, j'étais emporté par j'étais emporté, je peux dire, par le diable qui m'avait vraiment menti afin que je puisse plus me connecter avec vous. Donc, lorsque j'ai reçu les nouvelles, lorsque vous avez bien expliqué la manière que le prophète Kofi a fait des dégâts, j'ai bien compris et j'ai dit que vous avez raison. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en train de faire le mal. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en train de mentir les peuples de Dieu. Mais aujourd'hui, il faut qu'on puisse leur dénoncer afin que le peuple de Dieu puisse être éclairé. Donc, ce que vous faites, vraiment, vous êtes en ordre avec la parole de Dieu. Parce qu'on peut voir même, Paul avait dénoncé, avait exclu même une personne dans l'église de Corinthe, c'est lui qui avait couché avec la maman, la femme de son père. Paul avait livré cette personne à Satan. Donc, vraiment, si on voit de telles réactions, on ne peut pas cacher, mais on doit dévoiler le péché afin que Satan puisse fuir loin de nous. Donc, vraiment, c'était ça. J'avais pris mon côté à moi-même, j'avais dit que je dois être à mon coin. Mais vraiment, je ne dormais pas hier. Je n'ai pas passé une bonne nuit.
Donc, l'esprit m'a conduit de continuer à regarder les enseignements de Jésus revient et d'être en contact toujours avec vous. Vraiment, c'était ça que je voulais juste vous expliquer. Si maintenant que la manière que je me suis comporté en pensant que ce n'était pas bien la manière que vous avez fait, mais vous étiez sur les rails, si vraiment devant Dieu, il avait vu que j'avais peut-être péché, vraiment que Dieu me pardonne et vous aussi, vous puissiez me pardonner. Vraiment, je sollicite même vos prières afin que vous puissiez prier pour moi, afin que je puisse vraiment être en paix et suivre encore vos prédications, suivre encore tout ce que vous balancez dans votre page. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Vraiment, je me porte bien. C'était ça que je voulais juste vous parler. Vraiment, merci. C'est pour vous dire que le dégât que ce faux prophète appelé et Kofi Elie a causé était vraiment collatéral. C'est des dégâts vraiment très très importants. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de vraiment de réparer les dégâts. Jésus est en train de vraiment guérir les cœurs. Jésus est en train de circonciler les cœurs. Jésus-Christ est en train de ramener ses brebis à la maison. Et nous rendons vraiment gloire à son nom. Et c'est le lieu de rappeler, vraiment d'inviter à nouveau, d'appeler à nouveau tous ceux qui étaient dispersés, tous ceux qui étaient partis à cause de ce scandale, de ce faux prophète. La Bible dit que le scandale viendra. C'est une chose obligatoire que le scandale vienne. Le scandale doit venir. Tant que vous êtes dans la vérité, le scandale va t'attraper à la porte. Et c'est votre manière de tenir ferme dans la vérité qui va mettre en échec le scandale. Alléluia. L'ennemi crée toujours des scandales pour bousculer, pour secouer les portes de la vérité. Mais quand tu tiens la vérité et comme du fer, le scandale sera repoussé. Alléluia. Donc, je prie vraiment ceux qui sont encore affectés par cette situation. Je leur demande vraiment de retourner à la maison, de revenir à la maison pour poursuivre leur marche dans le réveil. Et je demande aussi, je fais aussi appel vibrant à ceux qui sont intégrés dans le groupe de ce faux prophète Elie et qui leur envoie ces semences de python, ces semences de fausses doctrines. Je les appelle aussi en vérité. Je vous dis, tout ce que nous disons de cet homme est vrai. Et le Seigneur Jésus-Christ nous rend justice. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de découvrir la vérité et nous donnent raison. Donc, je vous demande de revenir en arrière, de revenir à la maison. Je vous dis, votre âme avec cet homme ne sera pas en sécurité. Si vous restez avec cet homme, je vous dis, vous allez avaler inutilement des semences de python. Je vous dis, cet homme, il ne presse pas la sanctification, il n'est pas dans la sanctification. Tout ce qui presse, ce sont rien que des séductions pour nous, pour capturer les brebis. Et son objectif, c'est rien que de gagner de l'argent. C'est de la marmaille qu'il fait pour gagner de l'argent. Et plusieurs nous ont parlé de lui après que le scandale ne passe. Donc, je vous le dis en vérité, revenez à la maison. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Là où vous, votre âme sera en sécurité. Vous qui êtes encore dans son groupe, en pensant que oui, vous avez trouvé un père, vous avez trouvé et un vieux qui peut vous cela. Il n'a aucune sagesse en lui. Vous-même, vous avez bien compris. Il n'a aucune semence de sagesse en lui. Celui qui a de sagesse ne peut pas causer des dégâts qu'il a causé en peu de temps. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas causer ces dégâts. Celui qui a le fruit de l'Esprit en lui ne peut pas détruire l'œuvre de Christ que le Seigneur a bâti avec des jeunes,
depuis quelques moments, il ne peut pas apparaître de nulle part pour saccager. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut jamais faire ça. C'est celui qui a l'esprit de Lucifer, celui qui a l'esprit de sorcellerie, celui qui a l'esprit de destruction qui peut agir de la sorte. Et vous avez vu les brebis qu'il a détruites, les brebis qu'il a déshonorées par ses agissements. Donc tout ça là, c'est des signes que celui-là n'a pas réellement l'esprit de Christ. Je vous le dis en vérité, en vérité. Donc il est temps que vous revenez à la maison. Vous revenez, tout ce que cet homme a fait, aucun serviteur du groupe Jésus revient ne peut causer de tels dégâts. Même dans son ministère, personne ne peut venir dans son ministère et faire des choses comme ça. Lui-même le sait. Lui-même le sait. Donc, si vous êtes franc avec vous-même, si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne pouvez même pas dire que même s'il fait toutes ces choses, vous allez rester avec lui. Peut-être que vous-même, vous aimez la séduction. Si vous n'aimez pas la séduction et vous aimez la vérité, vous allez réellement quitter cet homme et revenir à la raison, revenir à la maison. Je vous le dis en vérité, en vérité. Si vous venez à Jésus revient, c'est pas que vous allez payer quelque chose à nous. Non, mais pour la sécurité de votre âme. Et j'ai vraiment aussi vraiment pitié des brebis qui sont allés faire mariage dans son camp. Comment un homme qui est dans l'impudicité va vous imposer les mains et bénir votre mariage? Vous voulez bâtir quel foyer? Je vous le dis, revenez à la maison. Revenez à la maison. L'enfer est brûlant. Ne vous amusez pas avec votre âme en vous alliant à un étranger, à un Égyptien. Celui-là, il n'est pas la semence d'Israël, mais il a la semence d'Égypte, la semence du monde. C'est pour ça qu'il vous dit que même si vous vous dépouillez, vous pouvez vendre les bijoux, vous pouvez vendre les chaînes pour gagner de l'argent, pour lui payer la dîme. C'est de la marmaille. Je vous dis la vérité. Revenez à la maison. Je vous dis, le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle. C'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est le visage des derniers faux prophètes de cette génération. Je vous dis la vérité. En vérité, en vérité. Celui-là, il a l'esprit de Makoso en lui. Il sait de la maman qu'il fait. Plusieurs nous ont parlé de lui. Plusieurs ont pleuré pour dire réellement si ils savaient que cet homme allait mettre pied à Jésus revient, ils allaient nous alerter. Mais le Seigneur nous a dit, j'ai permis tout ça là pour vous enseigner. J'ai permis tout ça là pour vous mettre en garde que ces gens-là, je les ai réellement vomis parce qu'ils sont réellement des hypocrites. Donc, peuple de Dieu, voilà, beaucoup sont en train de revenir à la maison. Et vous aussi, je vous lance cet appel vibrant pour dire, vous n'avez rien à gagner, votre âme n'a rien à gagner avec cet homme-là. Vous qui suivez ces enseignements de Python et tout ça, je vous demande de revenir à la maison. Je vous dis la vérité. Mieux vaut tard que jamais. Sinon, vous serez déçus. Mais peut-être que ça sera peut-être trop tard pour vous. Je vous le dis en vérité, en vérité. Le salut se perd comme une aiguille. Le salut se perd comme une aiguille. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je vous le dis en vérité, en vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui me met réellement à cœur de lancer cet appel à tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont perdus dans ce flot, dans cette tempête et qui ont rejoint son faux réveil de fausses doctrines. Le Seigneur vous demande de revenir à la maison. C'est très important. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom à vous. C'était votre bien-aimé l'évangéliste Jean Gracien. Merci.